Pour JC2Co, cela représente deux projets. D'une part, le changement de la signalétique des abris voyageurs existants. D'autre part, l'installation de 130 abris voyageurs sur des nouveaux points d'arrêt. Ce matin, nous sommes intervenus sur un démontage d'abribus parce qu'il ne sera bientôt plus desservi. Donc nous sommes là pour un montage d'abribus pour un nouvel arrêt. Afin que tout soit à jour à partir du 20 avril, JC2Co mobilise 30 collaborateurs dans la nuit du 19 au 20 pour dévoiler la nouvelle signalétique.